Est-ce qu'on serait pas à Master Kill full top 1 pour une fois? Attention, attention, on va tout faire. Il y a plus de kill, karma. Alors. Qu'est-ce qu'il y a le karma? Là, je me rends maintenant que Dobby me dépasse pas. Genre. Le chant, il kiffe. Le rêve de Nain. Ah, Mika, non, c'est une Mika, c'est Scooby-Doo. T'as un rapport avec moi? Dépêche-toi, dépêche-toi. Mika, c'est Mika, c'est Mika. Oh, God, I got. Pour gagner dans Master Kill, il suffit d'avoir plus de points que les autres joueurs. Pour marquer des points, c'est simple. Chaque kill et chaque réanimation rapporte un point, en sachant qu'un multiplicateur peut être ajouté en début de la game. Celle-ci est validée à partir du moment où la squad cumule un minimum de 5 kills. Le but, gagner la partie ou ne pas finir dernier. Le perdant est le joueur avec le moins de points à la fin de la partie. Que se passe-t-il quand quelqu'un perd? Les points des 3 autres participants se cumulent et se transforment en euros, que le perdant devra payer à un viewer tiré au hasard. Par contre, s'il y a top 1, personne ne paye et les viewers ne gagnent rien. Pour tenter d'être tiré au sort, il vous faudra voter dans un temps imparti en début de game et bien miser sur la personne que vous voyez perdre. Le Master Kill peut également être joué en duo. Les règles restent les mêmes. Le duo gagnant sera celui qui a le plus de kills à la fin de la partie. Bref, travail d'équipe, ou coup bas, amitié, ou fourberie, chacun sa méthode. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui vont passer à la caisse ce soir. Sur ce, bon Master Kill à tous. Et bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle soirée du lundi, lundi de folie, et vous le voyez, hein, c'est moi qui m'incruste en fait aujourd'hui. J'ai l'impression de déranger des gens, mais c'est normal, ils ont vécu là toute la semaine. On le disait la semaine dernière, vous avez suivi ce lundi soir avec Squeezie et Mikalo, qui allait avoir un bootcamp, et donc le bootcamp a eu lieu, et donc on va voir aujourd'hui les résultats de tout ça dans une atmosphère un petit peu plus tranquille. Je te mets pas la pression, Az, donc il y aura un mais les résultats, c'est pas tout de suite que tu les verras, les résultats. Pourquoi? Parce que c'est sur du long terme que mais ça se travaille. Ça, long terme. Non, mais déjà, tu verras un peu, parce que y a pas mal de qui vont arriver ce soir, tout ça, tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, cette semaine, on a appris à s'unir pour qu'au final, au Master Kill, on ne le soit plus. Donc c'est ça qui va peut-être être un peu gênant. T'as perturbé les codes. Ouais. Donc comment s'est passé cette semaine? Tiens, rappelez-nous un petit peu ce petit concept de bootcamp. Et est-ce que ça a été vraiment efficace? Est-ce que vous ressentez une différence? En fait, de base, on a vraiment craint sur le long terme, comme Coco a dit. Okay. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé les bases avant de commencer à directement aller en tournoi ou quoi que ce soit. On a fait du MM toute la semaine, de toute façon. On a travaillé vraiment la com, apprendre à faire passer l'équipe avant soi-même et pas mal de choses comme ça. Ah, c'est pour ça qu'il dit que c'est à long terme, c'est qu'il y a eu un vrai travail de fond en fait. C'est ça. Il fallait mieux restructurer les choses pour vraiment avancer plus vite après, quitte à perdre du temps aujourd'hui. Exactement. Ouais. Ok. Et donc Gotha, plutôt content de l'équipe quand même. Ouais, ouais, mais après, c'est vrai qu'on commençait de zéro entre guillemets. On avait peut-être fait deux petits tournois scrim auparavant, mais c'est vrai que les seules fois où on jouait ensemble c'était en MM, etc. Puis là, on a fait des exercices qui, au début, moi je faisais partie de ceux qui critiquaient les exercices en mode je pense que ça servira à rien. voilà, je vous le dis. Mika était dans mon côté aussi. Il était en mode je pense que ça servira à rien. Et au final, rien que genre une soirée que j'ai fait avec Roby, après le soir, j'ai joué avec ma petite sœur Polo à la régie d'ailleurs, qui n'était pas très bon. Et Mika, et du coup, bah, par exemple, avec Mika, directement, bah, déjà on sentait des choses que pourtant je joue tout le temps avec Mika, et on sentait déjà des calls qu'on faisait, des automatismes qui s'implantaient au fur et à mesure. Et donc, grâce au défi. Oui, c'est ça, mais c'était des défis chiants parce que je sais pas si t'as pu suivre un petit peu. Vu les sans mais c'était shield. En mode sans shield, air only, et après, en plus, vu que c'était trop simple la première fois, d'après Samy, notre coach, du coup, il a mis dans tous les défis où pour tuer quelqu'un, faut toucher tous les deux en même temps avant de le tuer. Quoi? Oui. Donc, du coup, en fait. Non, c'est pas ça, c'est à dire que imaginons, il y a un mec en face de toi, je sais pas, un skin rose, tu dois le toucher, mais tant que ton pote l'a pas touché non plus, tu peux pas le finir. Ah, ok, et ça va, vous avez réussi sur Au début c'était compliqué, etc. Puis après les automatismes sont rentrés. Des fois il y a eu des petits moments parce que t'avais pas le choix, les mecs te push, ton pote est à terre, bah vas-y, faut y aller parce que s'il y a un des deux qui meurt, t'es obligé de quitter et relancer la game en fait. À ce point? Bah parce que tu peux pas toucher après. Ah oui, non, c'était très. Super strict. Oui, c'est strict. NP, désolé, je fais attention sur le suivant quoi. Non, il y a un moment pour te dire, on savait pas qu'on devait quitter. Et Roby a fini la game tout seul, il a fait 22-23 kills, un truc comme ça. Et nous a dit non mais par contre faut recommencer parce que Gotha est mort au début quoi, donc donc voilà, et du coup bah c'est pas fini, on va continuer encore cette semaine et puis ah donc ça c'est prolongé. Oui, c'est ça. Normalement c'était censé être fini demain et là vous prolongez au moins jusqu'à quand? C'est ça, on sait pas encore, on est voilà, donc mais au moins on sent. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu de tension, parce que comme tu l'as dit? Moi, il y a des moments où j'ai tilté effectivement. Je ne reviendrai pas. Bah si, je vais revenir dessus, les petites balles de carabine que par exemple Al se prenait pas mal. Non mais par exemple le défi no shield, tu vois, bah t'as pas droit à l'erreur parce qu'il y a le nouveau pompe là, le double coup qui tue très vite. Si t'as pas de shield, bah t'es mort. Et pareil, balle de sniper. Vous voulez à Samich? Genre le soir. Non, mais c'est pas ça, c'est
c'est qu'en plus, vu qu'on mettait pas de délai, il y avait en général entre 15 000 et 20 000 personnes. Donc forcément, hein, il y a des gens qui, eux, avaient conscience que par exemple, on avait que des airs ou pas de shield. Ah, ils s'en battaient les couilles. Hein. C'était du push. Ok, putain, donc du coup, ça a été quand même un vrai taf de fond. On va faire directement le master kill entre nous quatre. Moi, je vous propose un truc. On l'a déjà dit une fois, on l'a jamais fait, on l'a jamais réussi. Mais normalement, vous êtes censé très, 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 très chaud. Est-ce qu'on serait pas un master kill full top 1 pour une fois? On va viser ça en tout cas. C'est ce qu'on va viser en vrai. Le chat déteste cette idée, normal. C'est-à-dire qu'il gagnerait rien. Mais en soi, c'est jamais arrivé. Je vois bien la vidéo de son mode. Et bizarrement, il dit ça quand je pense qu'il y aura beaucoup de votants pour lui. Quoi. Après, je. Les gars, faites un effort, s'il vous plaît. J'avais pas fait gaffe, mais ouais, c'est vrai que ça peut peut-être m'arranger si ça se passe aujourd'hui. Effectivement. Là, ça va tilter. Là, si j'ai bien Oui, oui. Bah, j'ai vu un point fatal, donc moi, c'était fatal. Ah ouais, moi aussi, j'étais trop pour le petit fatal. Oh, pardon, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. C'est vrai que je suis avec des monstres. Logiquement, je devrais pas m'inquiéter. Oh, j'ai l'impression d'être Mika, je suis sur son bâtiment. Oh, je suis désolé, gros, mais je vais te finir direct. Hein. Là, on est dans une émission. Non ! Oh non. Ah bah voilà, on commence bien la journée. Ça commence bien du game de show, vous avez dit non ? Oui. Ah, oui, on l'avait dit. Non, non, on avait rien dit du tout. Arrête de le cover, Robbie. Il est trop mignon, lui. Il cover tout le monde, il est gentil avec tout le monde. Non, c'est non, bien, laisse-le. Non, mais ça démarre comme ça direct. Arrêtez de voter pour moi, c'est bon. Bon, là, t'inquiète pas que là, il y a plus d'hésitation. Il reste combien de temps en plus pour les votes ? Il reste du temps en plus. Hein. La semaine dernière, après, en vrai de vrai, je fais le mec. La semaine dernière, je suis quasiment le celui qui s'est mieux tiré. Après, on a quand même Cole. Il a ton double Varel du coup. Ouais, désolé, bah les gars. C'est super, quoi. J'ai perdu son HP là. Je sais pas pourquoi j'ai voulu aller dans mon coin, mais t'es dehors maintenant, je vous colle. Tu l'as tué ? Les bonnes habitudes de commentateur. Hein. Bonsoir à tous. Non, mais du coup, je vais regarder un peu là comment ça joue. J'ai Roby sur mon. Ah non, mais là, c'est pas le bon exemple. C'est ça le problème, c'est que. Aujourd'hui on a un master kill. Bon en vrai t'es déjà mort donc on peut faire copain mais... Ouh, je me suis fait rush par deux mecs en même temps. Ah c'était l'équipe. Eh ben écoute... Ah ils m'ont sauté dessus par contre. Je crois que Hatz a 0 aussi. Je crois que c'est pas moi qu'il faut. Oh non mais Hatz, sérieux? C'est ah, pas il, moi qui ils m'ont qui agressé dans le garage à deux. Genre des deux côtés en même temps. Changez vos votes, votez Hatz. Ah non quoi que non, si vous changez vos votes je me nique. Non changez pas vos votes. Il en a eu un Roby. Je les ai pas entendus, ils m'ont sauté dessus. Après c'est comme moi, enfin t'as pas beaucoup joué cette semaine quoi. Je te comprends mec, on a tous des semaines super chargées. Non mais c'est pour t'accompagner tu vois, histoire que... Ah il est dehors. Merci beaucoup. Ah, ma souris marche plus, ma souris marche plus. Attends, attends, tu fais Michael Jackson. Ah, oui, je suis en train de peut-être voir. Un... Ah, c'est bon. Ça y est, bien sûr, nice. C'est revenu, c'est bon. Ah, heureusement que t'étais là parce que là, j'aurais bien eu le seum. Ah, du coup, ah, pourquoi tu lui fais des fleurs comme ça? T'as juste à tuer un mec, Hatz. C'est point. Non, d'accord. honnêtement, ils m'ont sauté dessus quoi. Les deux, ils étaient sur ma tête quoi, directement. Je les ai pas entendus venir. Mais ça va, c'est du foin pour l'instant. C'est ça, et de toute façon, la première game, c'est foin, c'est tranquille. C'est comme une petite game d'échauffe. Bah, ça va. C'est une petite donation que tu fais au chat quoi. Ah, oui, attends, parce que si on meurt maintenant, en soi, la game compte pas. Ah, oui, bah, on a pas fait 5 kills, c'est ça. Ouais, c'est vrai. On est parti sur une soirée full top 1. On est des bons teammates, on va faire en sorte que ce soit validé. Non mais tu sais quoi, montrez-nous. On va vous perturber, on va vous commenter. Attends, ouais, mais si on fait pas le top 1, c'est vous qui claquez la thune. Ah, le but c'est pas de vous déranger non plus. Il a juste peur que ça se retourne contre lui, ouais, c'est Robbie en mode tant que je paye pas, j'accepte tout. Mais rassurez-moi un truc, je paye pas. Oui, Robbie, tu ne payes pas. Non, amusez-vous, montrez votre automatisme, montrez voilà ce que vous avez bossé toute cette semaine. En plus, les duos c'était quoi à peu près Ah, mais aujourd'hui on a pas trop joué parce qu'aujourd'hui du coup c'était setup, c'est-à-dire qu'on a beaucoup straté sur la devant télé. Tableau, télé okay. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, bah, du coup, Polo s'occupait de tout bien setup pour le Master Kill parce que c'est un setup bien différent de ce qu'on utilise en temps normal pour le bootcamp. Vous avez travaillé la méthodologie quoi. Aujourd'hui, on n'a pas trop joué quoi. Il va y avoir un combat pour au moins valider cette game. Ils sont à 4 points pour le moment. C'est une simple fois 1, mais quand même, ça reste. Skin la main, à terre. Kotaka qui vient d'en tomber indirectement. Skin bleu. Oui. Il a perdu 90. Yena dans la tour en bois là aussi. Bambi. Donc ça quand même les dégâts. Toi, l'eau, moi. Ah ouais. Ils sont très coordonnés. Je bois juste la grosse patte. Ce que je disais, c'est que même les dégâts sont comme, c'est au détail près quoi. Et du coup, il peut ajuster son action en loot, voir s'il rentre après, dedans, ou s'il garde ses distances. Ou... J'avance, il est en dessous. Ouais, il est en dessous. Je chase, il est là. L'eau. Okay, nice. C'est propre, je crois que personne n'a perdu de point de vie entre vous deux sur cette action. Non, nickel. Non. Ah, je la sens bien, la full top 1 là. Ça fait déjà 7 kills. Vous avez fait des games avec un nombre de kills quand même impressionnant cette semaine. Non, des mecs en or 15 sans trop tryhard. Bah, en fait, le truc c'est qu'à part hier, on n'a pas joué en squad. On a fait que des duo. Du coup, forcément, vu qu'on était désavantagé par les malus qu'on avait sur nous, on va faire des gros scores, c'était un peu compliqué. Mais par exemple, tu vois, il y a une game avec Roby, 28 kills alors que lui il avait pas envie de construire. Et il en a fait 18 sur les 28. Ah ouais. Et c'est lui qui construisait pas. Ah, mais le duo pouvait construire. Non, moi je pouvais construire, après moi je construisais pour lui en fait. Oh, trop bien. Bon, il avait un grappin qui l'aidait un petit peu. Du coup, on a retiré le grappin juste après parce qu'on a remarqué que ça allait pas trop. Ça avec contrecarrait le... tout le truc. Quoi. Le mec ne construit pas, mais il a un grappin. J'ai une fois 31, pas de chill. À terre. Oh nice. La précision de Roby là sur. Il y en a un toujours derrière les constructs là, il y en a un qui est parti vers retail. Un skin rouge. L'autre 4. Et à terre. Nice. Oh.
Mais what the fuck. Bah, Robic, tu nous as des pop, GG, mec. Ça a été instantané. Bah, je pense que mes kills vont compter double ce soir. J'ai des explosions. Je vais mettre en mode. J'en ai plus dans le lance-quoi. Incroyable. Si, encore des roquettes. Ah, ouais, ouais, nice. Laquelle ils ont lavé la team là. Je mets un tremplin. Robic avec un lance-grenade. Tu veux pas tomber face à lui, quoi. C'est son arme de prédilection. C'est son arme de prédilection. C'est quoi la tienne? Parce que. La carabine. Carabine. Kogota, c'est quoi? Tous les snipers en vrai. Attends, les choses sur tous les snipes. Tous les snipes. Kogota, tu dirais que c'est quoi ton point fort au niveau arme? J'en ai pas vraiment. C'est un peu polyvalent. Ouais. C'est genre Mario dans. Mascar silencieux, sinon. Il est complet. Ouais, mais je veux dire, j'ai pas. C'est-à-dire, il y a des phases, des semaines où je vais jouer qu'à la carabine, tout va passer, d'autres où je serais nul à chier avec. Et je crois que Mika, c'était le pompe, il m'a dit. Des fois, ça va être le pompe. Mika, très close range. Même la PM maintenant, il commence à avoir un bon tracking. C'est très close range. Parce qu'en fait, il y avait un exercice aussi, genre, il y a un mec qui joue full pompe et l'autre SMG. Ah, histoire de se compléter. Voilà. Et du coup, on a fait jouer un peu Mika à l'SMG, vu que lui, bon, pompe. Voilà quoi. Il a plus rien à travailler. Du coup, SMG, ouais, c'est. Bah, surtout, Mika, il a énormément step up sur les constructions là derrière. Oui. Ça se voit qu'il a besoin de réfléchir pour faire les trucs, donc c'est pas encore intuitif. Mais déjà, tu sais, il s'oblige à le faire et du coup, il perd peut-être des duels qu'il perdrait pas en jouant juste normalement. Mais du coup, au fur et à mesure, là, dans quelques semaines, ça va être un monstre. Hein. J'aurais jamais cru. Hein, si parce que avant, dis-toi qu'avant, il était monstrueux et rivalisait avec des pros alors que sans pas savoir construire. Faire ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, dès qu'il aura cette nouvelle corde à son arc, ça va faire très mal, je pense. Impressionnant. C'est vrai que Mika, c'est de le voir comme ça, prendre ça au sérieux, c'est étonnant quand on connaît le personnage. Parce que normalement, lui, comme tu dis, dès qu'il perd un duel à cause du fait d'avoir essayé de construire ou quoi, il se frustre, il est en mode vas-y, c'est bon. Éclate, j'arrête. Alors que là, il a insisté histoire de vraiment. Mais je pense que c'est vous qui mettez aussi la pression, tu vois. Il vous voit progresser, il vous voit faire vos trucs. Il a pas envie d'être le boulet, tu vois, derrière en mode bon, les gars, moi. Bah non, mais tu sais, Nord-Est. Nord-Est, ok. C'est pas bien, il y a une bonne atmosphère. Mais il est motivé, Mika. Ouais, il est très motivé. Hein. Il remarque directement ce qui va lui servir. Il n'hésite pas à dire quand il voit que ça lui sert à rien. C'était au niveau du chalet. Ouais, sur le toit du chalet. Je sais pas ce que c'est comme skin. Il est rentré dans le chalet. J'en ai vu qu'un seul. Vous avez des noms pour chaque skin. On essaye de trouver. Ok, à gauche, skin Mika. 35. Mais la majorité, ouais. Je pense de jouer de toute façon. Y'en a dans la maison aussi. Ah merde, excuse. Sinon, tu colles la couleur du skin, ça fonctionne aussi. Il est sur ma droite. Skin Lama 72. Un King Push, John Wick. John Wick, ouais, touché. Lama. Lama de l'eau. Ouais, Lama à terre. Sur moi, Lama. Lama à terre. Y'en a un autre dehors. Je me soigne. Il est construit. Ouais, da, je me soigne vite fait. Je mets des petites potes et feu de camp. Ok, il arrive. Une Mika à terre. Nice. Encore un John Wick. Je le vois pas. Un HP. Il est où? Mark. Nice. Oh là là, c'est propre. C'est un duel compliqué. Il y a des gens qui arrivent. Ça vous fait pas chier de vous dire que peut-être des concurrents vous regardent et vont peut-être réutiliser ce que une mini et après je la. Vous avez trouvé comme astuce, soit histoire d'améliorer après, votre position. Après, ah, t'as mis kit. Soit c'est inévitable, on peut pas. Quand t'es minutes, entre l'entertain et le e-sport, ouais. C'est difficile quoi. On peut pas s'isoler complètement du stream pendant 2 mois et revenir après, c'est obligé quoi. Après, tellement... on faisait beaucoup de trucs en off quand même, tu vois. Ah, mm-hmm. Donc il y a eu des exercices comme ça. Pas forcément d'exercices, mais plus des trucs qui se travaillent en off et qu'on fera sûrement d'ailleurs davantage. Ok, donc vous gardez des secrets de strat pour les moins importants. Par exemple, il y a un entraînement qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure, c'est genre t'as pas le droit de fight avant la dernière zone. Donc du coup tu dois t'emploi avec les constructs etc. Sauf que si tu fais ça en live, bah c'est juste impossible en fait. Parce que tu sais très bien que des mecs vont te push, parce que tu sais très bien que toi t'as pas le droit de tirer. Faut pas tirer. Mais voilà, c'est ça. Ok. Bah c'est plein d'exercices comme ça, surtout qu'en plus là dernièrement les tournois ont été enlevés, ça nous dérange un petit peu parce que justement on voulait faire training et après enchaîner sur les scrims, tournois, etc. Et c'est vrai que du coup, vu qu'ils ont retiré ce côté des scrims qu'il y avait War Legend, etc. Bah c'est un peu plus compliqué. Ah ils ont carrément supprimé ça. Ouais. En face, il y a plus aucun tournoi. Mettre en pratique directement. Normalement, t'as un jump, je crois. Parce que j'ai pas non, il y en a un plus loin en sud là. À gauche, ouais, calamité. Vas-y. Oh, nice. Ils sont en train de sortir une game à quand même pas mal de l'autre kills. L'autre dans le gaz, dans la construction. C'est les deux derniers. Si c'est les deux derniers. Enfin, si c'est deux mecs, c'est les deux là. C'était bon. Enfin, ça a été d'une facilité. Il y en a un qui était dans le gaz, je crois. Il est peut-être mort. Ouais. C'est vrai qu'on dirait même pas de la duo squad. Genre, on discute normal et les mecs sont en train de laver le serveur. Ouais, non, il doit être mort du gaz. Ce qui est chiant, c'est que t'as la zone là et t'as le bunker en dessous. Ouais, du coup, des gens peuvent camper. Non, 2v2 revient. Derrière moi. Oula. Skin panda. Rose. Je spam. Il est tombé. Et ils sont tous les deux ensemble. Yes. Skin Bambi là. Il a plus de shield. Touché, 18. À terre. Ouh. Et le dernier. Oh là, ils sont tous les deux dessus. C'est synchro. Non, je peux pas. Obi en fait 90%. Le drap. Non, il a esquivé. Qui a été dodge. Gotaga qui voulait la.
Ah, le style avec. Du coup, j'étais parti sur le délire de le trap en fait. Bah ouais, non, mais aussi, mais après, quand j'ai vu mes HP à 12, je me suis dit, ouais, on sait jamais sur un malentendu. Et bah, une 18 kills comme ça, sans effort. Bah, écoutez, voilà. Du coup, on reste sur les mêmes votes. Ouais, bon. Donc là, Hatt, c'est bien parce que pour tous ceux qui ont voté pour toi, t'as juste à pas finir derrière Dwag et en plus, il va être dégoûté. On relance directement une game avec nous. Notre objectif de la soirée, c'est de faire que du top 1. Maintenant, c'est facile à dire, difficile à faire. Mais pour le moment, j'ai l'impression que, ouais, ça a été pas super compliqué cette game. C'est vrai que sans les stream hackers, c'est plus simple. Game en x2. Une fois, je rappelle, vous êtes très nombreux déjà à être connectés, quasiment 40 000. Hein. Merci beaucoup, on est parti pour une folle soirée. Le Master Kill vient de démarrer. Pour l'instant, vous n'avez rien loupé, personne n'a rien gagné. Petite 18 kills en duo VS Squad de Robbie Gotha. On va voir, hein, mais c'est vrai qu'il y a le Royal Rumble derrière. En plus, vous voyez la line-up, ça vous donne peut-être une idée sur le niveau qu'il y aura sur le Royal Rumble. Croyez-moi, cette soirée que commencer. On attend ton colin, hein, Dwag, si j'ai rien. Je pense qu'on peut se faire un petit grisigro. Allez, okay. Allez. Au calme, c'est pas longtemps. Par contre, là, il y a tout le serveur. Je crois pourquoi avec nous. Pourquoi il y a autant de monde à Grisigro? Attends, mais il y a 50 personnes là. Ils aiment vraiment, il y a vraiment full monde. Ils aiment le chocolat. Gotha, je te suis, hein, je te colle. Ils aiment le chocolat, il a dit. Tu me suis, mais. J'ai jamais vu autant de monde à Grisigro en fait, depuis. On est mort, genre. Attends, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer là par contre. Oh, mais il n'y a pas un. Gotha, on est deux à une station zéro. C'est incroyable. Ah, dis un mec, mais il y a des mecs partout. Gotha, je te lâche pas. Vas-y, t'en as un en face de toi. T'es le boss, t'es le boss. Allez, c'est pour pas payer. À ta droite. Ah mais tu vas pas du tout m'aider du coup là? J'ai une pioche gros, je peux farmer du bois. Attends. Il est en train de se valider des kills mais tue des mecs qui ont des armes. Oh oui, lui il a une arme, tue-le, tue-le. Oui Adz, c'est toi qui tire ça. Tu mets un coup de pro... Ah moi je suis en fait en train de me... Comment ça un coup de pioche? J'ai pas eu le temps de... Vas-y j'y vais. Oh oui. Oui bravo les gars, c'est incroyable. Mais il y a encore plein de mecs, c'est incroyable. Ok, il y en a un autre qui est mégalo en haut, calamité. Oh. Oh, est-ce qu'au secours? Calamité en haut, elle était une balle, hein. Elle s'est pris 4x23. Chacun sa strat, ne jugez pas. Moi j'étais sur un feu de camp, tranquille. Monte les autres, Polo, monte les autres, reste pas sur moi, j'ai honte. Vous me dites quand c'est tranquille et que je peux sortir? Moi je me mets dans un fort. What the fuck? Et je vous connais pas. On a fait une game tranquille, ça y est, sont tous là les streamers. What the fuck? Allez, un down. Je ressors, je vais essayer de prendre des armes, les gars. Et des mecs qui arrivent encore en faille, hein. Allez, un autre. Mais wow. Ouais, mais attends, il y a moyen de faire un world record sur cette game, les gars. Je crois qu'ils se soignent tous en c'est S105. Incroyable ce qui est en train de se passer. Putain! En S, je crois qu'ils se soignent. Sur le toit de la maison niche, fais gaffe, il y a un mec qui te scope. J'ai toujours pas d'armes. Là, j'en tue un mec, là, il y a une R, tu vas ramasser. Aïe, 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 aïe. Oui, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. J'ai pris une balle qu'il fallait pas prendre. Là, il y a du loot, là. Parce que tu m'as dit oh, gnou, derrière toi, Robbie, il y a un mec. Un Omega, un Omega. Maison niche, il y a un Omega. Omega nu. J'ai nice. Cool, ah, je les vois, maison rouge, il y a deux mecs qui montent une rampe. Oh, j'ai une. Incroyable. Faut être joueur pro hein, pour jouer dans ce genre de game, hein, je vous le dis. Maison rouge. Un qui a 20 HP sur le toit de la maison rouge en sud-est. Vas-y. Sur le coin de Grisy. Il y a un autre mec dans cette maison. Il a 20 HP, il a pris une tête. C'est pour ouais, je suis là au cas où. Mais il est dans cette maison. Il y en a un qui campe dans la maison là, à notre droite. Là. T'as de la vie, Robbie? Ah, oui, là. Bandage, contact. Je viens, il est blanc. Merci. Le lama est low, Robbie en face. Il monte sur le toit. Très très low. Je peux pas éditer. Je mets une force, c'est moi. C'est moi avant. Vas-y. Ok. Non, mais il y a trop de monde là. Oh, j'ai pris une grenade. C'est moi. 2x23, je suis pas là, j'ai pris une HE de je sais pas d'où. J'étais en train de me heal. Bah, c'était le mec en fait, on lançait juste deux grenades et t'as pas bougé. Ah, super quoi. Très bien, on se casse, repli stratégique. Oui, oui. Ça a l'air d'être des mecs est-ce que qui je suis sauvable sur le stream. Je suis sauvable. Ah, mais ils sont juste deux, hein, ils sont très longs. Hein. J'ai mis 2x23, ah ouais, mec. Non, mais y'a plein de gens dans le bâtiment. Moi je suis en vie sous le fort. Il s'est pris une balle de carabine. Le il y a un truc qui a mis un peu de temps. Un point d'HP. Ah non, ils vont me finir. Ripé les amis. Derrière l'escalier, ouais, au milieu. On parlait du manque de stream hacker. On a été servi. Hein. C'était le temps d'une game quoi. Donc Dwag, t'es sur un gameplay assez défensif quoi. Ouais. Mais ça vient encore ça sur nous. Ça va sur le fort, ça va sur nous. Attention. C'est quoi tout ça vient y du ciel. Il y a encore des mecs qui viennent en faille, ouais. Parce qu'il y a pas mal de failles autour de vous. Mais... Franchement, prenez une maison. Hein. Derrière toi, Dwag. Au sol, ouais. Ouais, ça va. Attends, on a combien de kills? On a 14 kills. Oh à oui, Grigy, j'en ai quoi. Eu un au piège. Ça a bien fait pour toi. Mais je peux pas jouer moi dans ces conditions. Je vous le dis. Oh oh. Oh, aïe aïe aïe. Oh, j'avais un HP, j'ai cru, je pensais que t'allais laver. 14 kills. À 14 kills, on est même pas sorti de Grisy. C'est n'importe quoi. Ah, 14 kills pour Dwag là. Oh,
x2 en plus. Oui. Par contre, du coup, bah, on perd le challenge faire que des top 1 quoi. Bah, mais grave. Parce que là, ouais. Du coup, bah, même les mecs pas très forts peuvent. Enfin, c'est pas méchant, mais ils peuvent nous tuer quoi. On va voir qui va être tiré au sort. Cette fois-ci, le message viendra de Maximus 67110. Bien joué à toi du coup Maximus. Et du coup les votes vont repartir, vous aurez 5 minutes pour voter à nouveau pour Dwagby. Bon allez, c'est un Retail Row qui a été décidé. Ça fait plaisir, il y a moins de monde. Tu vas voir, ils vont arriver en retard. Ah parce qu'ils restent dans les airs pour regarder. Ah non mais ils ont des stratégies. Grisy, hein, genre, oui c'est Grisy ce qui s'est passé, les mecs sont arrivés en retard, hein. C'est pour ça qu'il y en a plein. Je pense qu'ils sont tous sur un Discord et ils se synchronisent. Voilà, tu vois. Là par exemple, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur sur mon bâtiment à l'instant. Bon moi je fais un petit détour les amis, je vais me chercher à la main et j'arrive. Là il y en a un qui me push. Ah parce que Dwag on avait fait On a fait une fois un skirmish, on a fait un petit lama. Bah regarde, je spawn, il y en a un qui m'attend là. Parfait. C'est trop bien, je vais rester avec toi. Attends, mais il y en avait un Robby, si on est d'accord. Ah bon? Non, je sais pas moi. Ah, c'est toi qui a push là? Là, c'est moi qui viens de push là. Non, c'est pas toi, je peux pas l'éditer ça. Ah bah. Y'a un mec qui m'a push, qui est dans le corner. J'entends, il est derrière l'arbre, il est là. Oh, il était mignon. Oh, je t'ai loupé sur ta porte. Putain, je vais te le voler. Moi je loot tranquillement. Je vais pas te louper sur la porte aujourd'hui. Du coup lui il est mort direct, donc ça se trouve que t'es la seule squad. Ok bah c'est un spawn réussi, on est tous les 4 en vie, on va tous les 4 se mettre bien. Ah Gotha qui prend l'avant. Et c'est parti du coup. Non mais du coup tu vois ça c'est marrant tu vois parce que là j'ai looté tout le bâtiment, il a atterri après sur mon bâtiment quoi. Ouais donc c'est un free kill. Ah mais d'un côté c'est vraiment du disrespect. Genre le mec il est vraiment en mode Tiens ça se trouve il oublie un petit pont. Moi je décale déjà hein, si jamais. J'ai une équipe devant moi, mais en rotation celle-ci. J'arrive. Ouais, faites gaffe. Mais hein. C'est vrai que bah comme un peu tout le monde, tu sais, il y a pas mal de personnes qui se plaignent qu'il n'y a pas trop de nouveaux. Quoi, donc je sais pas ce qu'ils vont faire à l'avenir. Ils ont l'air très défensifs. À part l'outlay qui a changé et qui se déplace, il n'y a pas vraiment de nouveauté quoi. Ouais, ils jouent vraiment très très safe. J'arrive derrière eux en vrai. Je voulais pas que la zone nous push. Hein. Petit à petit. Ouais, le sniper il lâche pas la ligne. L'autre il a un scar, il avance un petit peu. Le sniper à terre. Oh, nice. Nice, Coco les push. Un knock. Deuxième à terre, ouais. Je les rush. Pareil. Ok. Un capuch shield, skin noir. Bon oh, j'arrive Ads, j'arrive. Il est à moi lui. À terre. On partage gros. Partage. Il est chiant, il va trop vite. Ah il m'a fait tomber. Ils sont pas mauvais. Effectivement ils sont pas mauvais. Un mort, c'est bon. Ils sont vraiment pas mauvais. C'était des FR par contre. Même si ils sont FR, même si c'est des streamhackers. Ils ont bien attendu là. Ah on fait sûr. On arrive. Le dernier c'est pas dégueu. Par contre là on joue un peu trop en équipe là non. Mais vous êtes trop chaud genre. En vrai je vous jure j'ai pas le temps de faire un kill. Je pense je vais finir la soirée avec 0 kill. Ah y'a un mec sur moi. Attendez moi. Et je me suis pris une balle de snipe de l'autre côté. Ah, ils arrivent en tremplin sur vous. Un avantage. Celui dans le cratère a pris 32. Il y en a sur la maison, à John Wick. Il y en a qui a lancé 4. Allez je vous lance roquette en plus. Je m'occupe de celui dans le cratère. C'est qui monte dessus? Moi je me suis fait sniper de l'autre côté hein. Je suis avec toi Ad. Ils sont dans le gaz en plus là non? Ouais ils sont dans le gaz. Juste en face de nous tu vas le voir Dwag. Ouais cratère j'ai vu. C'est un cowboy. Faire gaffe aux deux autres parce qu'ils ont une full team en face hein. Moi j'attends de les voir, je suis dans le gaz hein. Attends mais ils sont en train de back. Ah ils reprennent leur tremplin, ok. Là, là sur moi. Ok dingue. Nice. J'ai ça Dwag. 26 24 10. 30 mort. Nice. J'ai les gars. C'est beau. Tu remplaces Mika dans le bootcamp au pire. Toi t'as le même score que moi. Y'a trop de teamplay, c'est un master kill. J'avoue que je vais pas trop parler. J'avoue il a raison, c'est ce que je disais avant. Y'a trop de teamplay, c'est un master kill, faut que ça soit saignant, on oublie l'amitié. Ah, c'est vrai que là on est trop copains là les gars. On est trop d'habitude là. C'est incroyable, faites-vous des coups de pute là, ça se donne des potions. Bah ouais, mais c'est ce que je disais au début. On a passé une semaine à être copains. On fallait vraiment avoir du bon teamplay quoi. Donc du coup c'est dur d'enlever les automatismes que t'as appris. Et j'avoue que ça me ferait chier qu'on redevienne comme avant. Oui, ce que je veux dire. Tu sais que t'es fait une semaine pour rien, genre juste pour un master kill. Ouais mais c'est important le master kill. Je commence à faire le bâtard, hop, fight tout seul, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Même là tu sens qu'il s'en va un peu, tu sais. Ouais c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, je suis un rebelle. Peu de teamplay moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a tiré dessus de Tilted. Y'a quelqu'un qui vole devant nous. Ouais c'est Gotha. Il part vers 210, non non. Cette reprise de Robby. En fait, je me dis, Robby, je suis là. En vrai, là, j'ai 4 kills. C'est Dwag, tu vois. Et tu vois, là, c'est chaud. Là, c'est des lobbies. Attention, écoute, je m'en fous. Karma, qu'est-ce qu'il y a le karma? Là, je me rends maintenant que Dwag me dépasse pas. Genre. Et un mec en face de moi. Allez hop, karma direct. T'as pris 90. Waouh, j'ai mis un tremplin. Quel karma, dis donc. Voilà, tu l'as mis 90. Y'a qui pas loin de moi, j'ai besoin d'aide. Il est où devant toi? Et c'est un carbone. Non, il y en a un devant moi, il y en a derrière moi. Il y en a un en 270 dans la constru et un en 350. Il est down lui dans la construit. Okay, nice. Ouais. Après un 240. Oh, son pote est down aussi. Okay. Il y en a un qui monte depuis le bas dans l'eau là. Tu vas le faire tomber. Zombie. Ouais, il va être low. 35, 35. Il se cercle en bas. Il y a un pote, un gars de tête qui tire. Ah, je l'ai raté. Derrière moi, c'est horrible en 10. Nice, je rush l'autre. T'avais un lance-grenade sur le premier que j'ai tué dans la construit, okay, nice. Romy. Ah non, mais attends, mais t'es ex-écho avec. Attends, mais Ads, là t'as un combat compliqué là, j'ai l'impression. Ah non, ça va, j'ai. Côté, t'as une full team usine pour toi. Ah ouais? Ouais, full team. Ouais, full team, genre ils sont en train de se faire des. Ils sont bons ou pas?
Ouais. Bah là, en tout cas, ils vont tempo, je pense. Ils sont en train de tirer sur Dwag avec leur snipe. Oh, il y a un barré. Il y a un mec dans l'eau, il bouge pas. Tu peux lui mettre une balle de carbine? Ah, si, il bouge. Le problème, c'est que l'autre à la ligne au barrette, je sais pas m'arrêter. Ça a pris un tremplin, je crois, les gars. Ah, il s'est arrêté à ce moment-là, sérieux. Ça a pris tremplin. Je vais chase un tremplin. Derrière nous, c'est tire dans Tilted. J'y vais. Ok, il prend, ça vole, il prend le tremplin maintenant. Un lama, DJ Lama. Lama touché une fois. Le Ragnarok me touché deux fois. Il y en a un dans l'eau, ouais, Ragnarok. Adorable. Le lama, il est loin. Oh, touché le mec qui. Ouais, bah, c'est le lama qui est touché. Ça va mal. Je l'ai retouché 25. Ok, il y a une autre voiture qui arrive derrière. Skin jaune, bon. Vitality. Skin Ragnarok, il s'est pris 90. Ragnarok, très low, touché encore une fois. Je le greux, ça a pété, il est tombé. Nice. Ragnarok à terre. 27, à terre. Ok, un côté de l'arbre 15-30. Qu'est-ce que c'était ça? Qui t'a mis ça, Gota? Je comprends pas. Je crois que c'est le mec que je viens de tuer. Il y avait du C4, je crois. Oui, il s'est amusé à mettre du C4. J'arrive. Ok. Ah, le pire plan, quoi. Ad. Oui, ah, j'arrive. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est rappelle-toi que Dwagby, là, s'il me réanime, il a un point en plus. Hein? Ah, ouais, je vais pas penser à ça. Non, mais laisse Dwagby s'en occuper. Laisse Dwagby s'en occuper de quoi? Des kills? Il veut que tu restes, comme ça, il a. Ça, c'est plus serré entre toi et moi. Reste tranquille. Non. Reste par ici, là. À terre. C'est bien, Roby. Continue. En vrai, je viens d'aller à Tilted pour chercher des kills. Pas tu dis merci, Gota, juste tu critiques. Je viens de te sauver la vie. Mais c'était par pure bonté encore. Je viens de te dirais sauver merci. La vie, mon gars. Referme derrière toi au moins. Ouais, putain. Bon, c'est bon, je suis pas fou moi. Ok, ils sont tous morts. Allez en bas, ouais. Tout en bas de la console. J'ai envie. Sinon, ça va être top, hein. Puis s'il n'y en avait pas qu'une. Ah, ouais, il y en avait deux alors. Pas fait, j'ai pas regardé là. Aïe 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 aïe. Ça va, Ad? Ad, il est parti en solo. C'est un peu intense. Oh ouais, mais t'es parti loin là. Ah, je sais pas pourquoi le chat est en mode impressionné. C'est quoi? C'est Roby là qui a fait un truc qu'il fallait pas? Non, c'est Ad, je pense, sur son fake de construit. Ah. Le chat là, il dit ah oui, wow, GG, Ad. Ça fait quoi? C'était un peu intense ce qui s'est passé. Du coup, nous on est les mecs en contre-soirée. Ah, j'avoue, c'est là, non, le gars de Popo ici. Mais j'avoue que ouais, non, le chat c'est comme moi. Moi aussi j'ai l'impression de pas faire partie de. Je suis juste en train de m'incruster dans un screen. Ils sont tellement chauds, il y a que de l'action, mais genre des actions de plus en plus impressionnantes. Et moi j'essaie de suivre. Mais là, dites-vous, Ad, 7 kills, t'es passé de 2 à 7. Il fallait que je me sépare. À 6, Roby à 8. Je fais vraiment tâche. Hein. Je pense que mes kills vont vraiment compter double. Hein. J'ai l'impression d'être l'Elia. Je suis vraiment l'Elia au milieu de. À l'époque, Broken, toi, moi. En fait, le truc, c'est que la fois on va valider le x2, je sens que tu vas faire trop de kills. Ouais, je peux faire une petite 10 kills. Bon. Attention quand même. Vous êtes vraiment, vraiment fort. J'avoue que là, pour les gens, ils sont en mode, mais c'est Master Kill ça. Je sais pas si Mika est vraiment important dans la line-up, mais je trouve que ça joue bien. Waouh. 4v3. Hein. Oh non, dis-moi pas qu'ils sont là-dedans. Attends. Oh si, je crois. Oh maman. Ils sont où? Ah, Roby a trouvé quelque chose. Ah oui. Ouais, on me. Roby, donne des kills. Mais même si tu fais tout le monde là, c'est vrai que tu serais quand même en retard. Voilà. Parle. Okay. Parle, c'est bien, ça te réussit. Non, je crois qu'on avait pas le droit de faire ceci. Ah, tu t'es fait tuer par un allié. C'est pas moi, en plus. Hein. Ah, on a pas le droit. Ah, ok. On a le droit ou pas? Parce que ça parlait de coup de pied tout à l'heure, je vais lancer un peu la cadence. Tranquille, tranquille. On a rien vu, on a rien vu. Dans Roby, il lave tout le monde. Non, mais je lance juste la marche comme ça après. Aïe, aïe, aïe. Non, j'essaie de shipper. Oh, une petite 26. Ouais, ouais, une petite 26. Tranquille. C'est incroyable. Là, c'était une 50 balles, dites-vous. Si ah, quand même. Ouais, là, c'était une 50 balles. Du coup, on t'accorde le fois 2, Dwag. Moi, je suis chaud. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pas train toute la semaine, les gars. Vas-y, t'en fous. Ça vous va? On est sympa. Les res aussi? Non, pas les res. Par contre, on fait ça, mais on se sépare. Solo squad. Oh, petite game solo squad. Il dit, oh, mais il est pas bien. Bah, moi, je peux la jouer très safe. Ce serait bien, Polo, c'est que tu restes sur la POV de Dwag pour que tous les streamers arrivent dessus. Ah non. X3 en plus, ah non. On est sur la x3 là déjà. Mais oui, ça allait trop vite. Du coup on a pas dit c'est autorisé ou pas les coups de pute vraiment faire tomber le mec? Bah je pense que vu le niveau aujourd'hui, ouais pourquoi pas, comme ça veut dire qu'on doit faire bien attention quand on fait ce genre de choses. Ça veut dire pas de beatfight quoi, sinon il y en a un en bas qui pioche pendant que tu montes. Ou alors avoir une solution au cas où ça se passe mal. Non parce que tu peux récupérer un kill sur le mec contre qui ton allié. Ah oui, ce beatfight. C'est quand il tombe. Après tu récupères pas le reste derrière j'espère parce que sinon c'est trop cheaté. Ah non t'as pas ça par contre.
Oui, on garde les mêmes votes les gens, mais putain, là, c'est la saison 2, faut suivre un peu les gars. Hein. Regardez, hein, la minimap, on vous a pas menti, on est 4 vraiment à des endroits bien différents. Là, on est en vraie condition de master kill. Non, parce que j'avoue, je regardais le chat après, c'est vrai que. En fait, mais vous vous rendez pas compte qu'on fait même pas exprès. C'est pas méchant, hein, ouais. Mais on fait vraiment pas exprès d'avoir du teamplay, quoi. C'est bête à dire, hein, mais. Faut pas exprès d'être fort, quoi. Non, là, c'est même pas une histoire d'être fort ou quoi, c'est vraiment une histoire de. Jouer les uns pour les autres. Ouais. Mais c'est bon, après, du coup, comme tu dis, moi aussi, je peux pas être le mec qui vient et qui casse l'entraînement que vous avez fait toute mais la semaine. C'est pour ça, c'est mauvaise squad. Par contre, moi, j'espère, parce que la squad qui est sur moi, je crois qu'elle est vraiment pas mauvaise. Ça, faut avoir un petit peu de chance. Ça commence déjà à laver quelques personnes là sur le serveur. Ça se passe. Ah, j'ai pas de. Aïe. J'ai pas de constru. Aïe aïe aïe. Dommage, dommage. N'hésite pas, Polo, à garder la POV de Dwag. Bon, en vrai, je suis vraiment tout seul. Hein. Vu ce que je fais, mais non, mais c'est pour qu'il y ait des gens qui arrivent. En vrai, Dwagby, t'as juste à faire un kill, mec. Mais c'est pareil, facile à dire. J'ai envie d'aller au. Non, non, les gars qui vient de faire. Ah, attends, Roby combien? Roby à 0. Zéro, let's go! J'ai rien fait. Un Roby à 0. Bah ouais. Il faut top 1. J'ai dû me barrer de salty, j'avais pas de chill, j'avais des scars. Oh, je suis désolé d'avoir le sourire sur ta mort, mais. Mais c'est à dire que là, si Yann continue à faire des kills, parce que je compte pas trop sur l'autre, oh. Genre la game sera validée, sera du petit x3. Voilà, c'est histoire de le rappeler. Ah oui, c'est du x3. Ah, donc je suis mort à la bonne game en fait. Parfait, ouais, ça. Ouais, ouais, toi t'es bien toi. Au début on s'en fout un petit peu, c'est pour ça. J'ai regardé un peu là, c'est un peu plus. Oui, c'est vrai, moi aussi je changeais de que. D'ailleurs, j'ai plus envie de t'en suivre. Le gars m'ignorait pas, je te demande les conseils. Pour te dire sans faire exprès, j'étais en train de regarder ton écran. Tellement il se faisait chier quoi. J'avoue, moi je suis tout seul à Prison donc. Tu vois, ça joue pas mal en vrai, hein. Le mec est pas mauvais. Et il a un double bas. Ah ouais, mais c'est pas le coup. Ah, et malheureusement il tombe. Ah, qui a 4 kills plus le mien, ça fait 5. Du coup, la game compte. C'est on est parti directement. Donc là, pour l'instant, Roby, t'es sur minimum 15 euros. Aïe aïe. Ah l'un maintenant dessus, t'es sur minimum déjà 15 euros. Oui, bah oui, Adze là, il est sur 4 kills. Ah, Tilted est à lui. Hein. Ouais. Ah, il est kill de Dogby. Oh, ça va pas augmenter ta kill. C'est 0 x 2, ça fait toujours 0. En fait, c'est pour ça qu'il faut toujours faire un kill. Moi, tu sais, j'étais contre la squad. J'ai tout donné. Hein. Je me suis fait laser du coup pour finir au moins un kill. Non, mais on est vraiment là. Vous pensez vraiment que je suis même pas capable de faire un kill de oui. Bah, vous pensez bien, vous pensez bien. Non, mais en vrai, le niveau a vraiment augmenté. Moi j'ai un peu peur hein, que ça démotive les. Parce que moi quand tu m'as dit que t'étais level 7, je me suis dit ah ok d'accord, ça va être compliqué. Ça se voit que je joue pas beaucoup. Hein. Mais je sais que t'as les bases, tu sais construire, tu sais machin. Même la route des gens elle change. Genre tu sais, ils ont plus les mêmes déplacements les gens pour aller chercher les kills, etc. Y'a tout qui change. Même les builds, hein. En vrai les builds sont tout ça, moi qui me fais toujours dépasser dans les build fights. En même temps t'as pas le temps, t'as beaucoup de trucs à faire. C'est les gens s'en rendent pas compte. C'est bien niveau 7, non? Non mais niveau 7, c'est juste que t'as acheté le palier, c'est tout. Ah voilà, c'est vrai en plus. Bah oui. Tu connais toute ma vie. C'est-à-dire que t'as même pas lancé de game, je crois, en niveau 7. Bah j'ai joué lundi dernier avec vous, mais. Il a besoin d'aide si jamais t'es à côté. Ouais, t'inquiète, il est dans son caddie là. Putain, arrête. Arrête, Tipolo le met pas à l'écran, c'est qu'ils doivent pas voir ce qui se passe. Donc, galère avec un caddie. C'est des squads, tu vois, pas forcément très fortes, mais chiant ta solo squad. Après, bon, Adz au sniper, il est très bon. Du coup, il vient d'en dépop 1. Prendre un premier pic comme ça au. Ouf, 7 HP par contre, c'est fucking pas cool. Go. Mais prendre un premier pic comme ça et du coup faire une situation de. Ok, le mec est complètement débordé avec l'escalier. Faut faire gaffe, le compoteau, les meurtriers, attention les. Ah, ok, c'est ta build de bien. Oh non, oh non, mais ils, amis tous, ils étaient tous à 200 HP quoi. Ils avaient tous 200 HP, ouais. Tous 200 HP. Il y en avait seulement un knock. Bon les gars, s'il faut carry la team Vitality. Dommage. En vrai, j'avais le mur spawn. Pour l'instant, il y avait 4 mecs en face, ça fait blouf. Non, c'est dommage parce qu'il avait bien joué le truc. Ah, mais je veux bien un coaching perso de 3. Après, ce qui est relou, c'est le grappin. Le grappin, le jeune qui arrive là, c'est. Ah, c'est qu'il reprend instantanément à la hauteur. Ouais. Je vais vous impressionner là, vu que je sais qu'il reste plus que moi en vie. Évite juste la zone de Steve parce que c'est là qu'il y avait la squad assez énervée. Le pont-play est pas mal aussi. Nice. Ah, c'est une nouvelle strat de mettre un tremplin à côté c'est du calculé, du c'est calculé. Ah, vous connaissez pas cette strat? Ah, c'est pas mal. C'est même le mettre. Ah, je sais pas vous le dire, je sais pas vous le dire. Vous connaissez la strat. En plus. Attends, mais là tu galères à mettre un piège, on est d'accord. Oui, oui, y a un bug avec les pièges, genre, mettant, ouais. Ok, ça va. Ouais, okay, les pièges sont buggés. Ouais. Ok, pendant un instant, j'allais t'insulter. Ouais, hein. Je sais, non, mais c'est pour ça. Ok, ça va. J'en suis pas là, quoi, s'il vous plaît, j'ai quand même appuyé sur un clavier, quoi. Tu regardais le truc, tu posais, ça se mettait pas. Non, honnêtement, qui croit au fait que je vais faire quelques kills au moins? Moi j'en colle 3. Je vais pas te mentir, moi, 0. Merci, Ad. Je colle 3 kills. Je sais pas pourquoi je le sens. Oula. Ah ouais, par contre, si tu tombes. Regarde d'où ça vient, parce qu'il a pas l'air super fort. Le fait qu'il tire comme ça loin de toi. Je veux bien que vous. Je sais pas où il tirait au sniper auto, mais peut-être pas vraiment sur toi. Il est là, c'est lui là, non? Ah, c'est possible, ouais. Vas-y, je le fais, je me le fais. Vas-y, vas-y. Franchement, oh ouais. Là, franchement, Dwag, est-ce que tu passerais pas pour un sont as deux. Si vraiment. Sont 3. Tu payes quoi, pas non, parce que t'exécutes. Sont 3, ouais. Non, mais Dwag, c'est ton moment. Mais vas-y, go. Ils sont 3. De toute façon, t'exécutes avec Roby, tu gagnes quand même. Essaie d'en éliminer un pour dire, genre, écoute.
Ça vient de où? Ça va être compliqué. Mais en face. Non mais c'est trop marrant parce que du coup. Mais c'est bien, tu builds, mais tu builds trop. Ouais bon, désolé, je vais pas faire des économies. C'est. Ouais. Oh putain, ils ont des grappins. Qui m'a dit d'aller? Il va dans la maison. Rentre dans la maison et met des pièges. Rentre dans la maison et met des pièges partout. Ouais, mets-les dans la maison. Fais gaffe parce qu'il y en a pas déjà. Ouais, dans ce moment-là, faut croiser les doigts. Dans ce moment-là, faut croiser les doigts. Non, mais surtout que vu comment il tire super loin. Non, où tu ouais, va dans la maison, Mika. Tout est ouvert dans le bâtiment où tu vas. Il y a plus de cover. Hop. Oulala. Ah, Lady, t'étais fast par contre. Ouais, les gars, je suis clean. Non, mais... va dans le bâtiment. Non, mais non, tu peux pas, y a pas de sortie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Hop, par là, on peut passer. Bonjour, au revoir. Ah, le rat, putain. Je me glisse partout. Un petit coup de canine. Bon bah là je crois qu'il y a plus le choix, je peux plus. Oh, c'est si, il y a encore une escape. Retourne dans le bâtiment où t'as mis les pièges. Ouais, retourne dans le bâtiment. C'est ta seule chance de tuer quelqu'un. Ouais, non mais ils sont. Et avec, là ils tu sont crois appel. Que je veux tuer des gens là. Là t'as pas compris que j'essaie de vivre. Non mais va dans le bâtiment. Faut que tu trouves un bâtiment où il y a beaucoup d'étages où ils sont débordés, ils peuvent pas détruire le bâtiment. Et tu te mets dans une pyramide. Ah mais gros, ils vont te chase à l'infini. Mais hein. Pourquoi? Et le pire c'est que je sens que ça c'est des mecs que potentiellement ils aiment la vanille. En train de voter dans le chat quoi, tu vois. Mets-toi une pyramide, bah, mets-toi dedans. Une fois que ça va être construit, ils te verront pas. Pour l'instant ils peuvent te voir s'ils touchent. À part s'ils sont sur le stream bien sûr, parce que sinon ils vont tous arriver. Bonjour à toi Jean-Louis. Le chien il est content que t'aies dedans. Eux ne te voient pas mais toi tu les vois. Le chien il kiffe. Tu lui as donné un nom du coup? Le rêve de nain. Ah Mika, c'est Scooby Doug. T'as un rapport avec moi? Moi je l'appelais petit chien quoi, normal. Ah mais t'as réussi à les semer quand même. Par contre vous avez raison, j'ai perdu toutes mes construits dans cette histoire. Mais au moins ça rassure, c'est pas des streamhackers. Sinon ils seraient venus sur ta pyramide. Après ils ont arrêté le chase au moment où on a dit que c'était sûrement des streamhackers. C'est le loupé, tu s'arrêtes jamais. Je veux faire top 1 pour vous. Derrière toi, en bas. Au moment où il dit je veux faire top 1, ça le rush. Ok, ok, tu valides, ok, 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 nice. Ouais, encercle-toi, finis-le. Ça, ça compte double. Yes. Ça compte double en plus. Il a eu deux kills. Je m'en bats les couilles maintenant. Ah ouais, non mais tu vois, on a dit c'est pas du streamage. Oh là là. Ils sont restés à t'attendre. Un piège, un piège, un piège. Oui, oui. Mais t'en as combien de pièges? Attends, monte, monte et fais-toi oublier. Ouais, mais monte pas trop parce qu'après ils peuvent monter eux. Hop. T'as un grappin aussi après à prendre peut-être pour monter sur le tremplin. Pour monter sur le tremplin. Oh oui, si t'arrives à remonter au-dessus en mode Spider-Man. Surtout que maintenant t'as fini leur pote donc ils sont trois fois plus énervés. Oh là là. Non. Spider Doug. What? Spider Doug. Spider Doug. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mika, 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 Mika. J'ai 12 HP, faut que j'aille me cacher. Bon par contre ils t'attendent à la sortie de la ville quoi. Oui c'est vrai que t'étais toujours là dedans. Ils vont te suivre. Oh je me fais peur comme je me suis dit. Non non mais ils vont venir. C'est bah sûr, ils vont venir. Prendre le pad. Ils ont la même vitesse que toi en soi. Donc le temps qu'ils montent sur le pad ils vont te retrouver. Vous êtes dit ça, j'imaginais trop les mecs genre Liam Nelson. Genre. Putain t'as envie quoi. Non non tu devrais peut-être pas tirer ouais. Quand l'orage te suit. Quoi, tu vas devoir aller dans l'orage et passer devant eux. C'est vrai. Il a l'air de vouloir contrôler quoi. 21 c'est déjà un bon chiffre. Ah oui putain. Il peut déjà tomber c'est pas grave. 2 HP. Donc tu rajoutes 2€ à chaque kill que tu fais. Non enfin 2€ x 3. Oui 2€ x 3 en plus. Ah voilà. Je te regardais. Aïe 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 aïe. J'ai voulu tester ta concentration, ça a pas trop. Ah bravo, bien, tu m'as eu. Vraiment le Bambi. Vous voyez ce genre d'action? Ah ouais parce qu'en plus le phare tout en haut il est tourné vers toi. En mode ils sont protégés. Ouais. Il t'attend que toi. Non non mais c'est lui qui l'a mis à terre, ça sert à rien ce que tu fais. C'est le mec que t'as touché qui l'a mis à terre au sniper juste avant de se va dans la fosse. Tu c'est ta meilleure chance. Mais on l'a pas vu, il existe. Oh, non, non, non c'est ce qu'on tue, c'est ce qu'on tue. Quoi mais comment il sait ça? C'est les skins. Ouais c'est le même skin. Franchement dans la fosse tu manges des champignons, tu fermes des arbres. Et arrête, calme-toi. Et voilà. Okay. Hey, franchement il est motivé. Meurs. Mais non mais ce qu'il s'en fout c'est qu'il paye pas, s'il payait il aurait pas tiré là. Oui. Là faut trouver du soin c'est ça? Ouais farmer, trouver du soin, de ce côté il y a pas trop de champignons malheureusement. Et en vrai tu surprendrais tout le monde si t'arrives à gagner la game Doug. À gagner la game. Au fond de lui le il y a deux équipes qui vont se battre à la fin et tu pourras récolter. Alors bah, vraiment c'est faisable. Kills, et là je suis passé à je dois gagner la game. Tout est possible, tout est possible. Non mais tu peux les mecs qui vont se battre entre eux tout ça. Ouais ça c'est pas mal. Surtout si t'as des explos ouais. Je fais quoi là? Du coup je me mêle, je m'en mêle ou je m'en mêle pas? Non tu dois pas t'en mêler. Tu vas dis-toi que c'est un scrim et que si tu fais top 1 tu gagnes 10 000 balles. Il y a la tour de guet devant toi. La tour de guet devant toi, tu peux te mettre dedans. Tiens en sneaky. Non 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 non. Mets en dessous, mets en dessous, mets en dessous. Vraiment en dessous. Ouais, tu peux t'en mettre un mur en bas. C'est smart ça. Vous avez vraiment poncé le jeu, c'est incroyable. Garde le chien. Mais je me dis bien qu'il y a eu des morts. Comment ça a avancé pour Pierre Pan qui tire au bas de carte? Y'a pas les cailloux là pour que je mette vu? Non non non. Par contre y'a plus, ils ont des attends. C'est ceux qui m'ont tué.
Aïe aïe aïe. Hein? 21. Ça fait combien quand même? 21. Ouais. Putain, dire que c'est un kill qui fait la div quoi. 21, ouais. C'est rare que Roby mette des sous dans Master Kill. C'est la première. Ouais, c'est la première fois. Ouais. Logan 6, nickel. Du coup, on va relancer les votes et ça va être la dernière game. Bien joué à toi en tout cas, Logan. Nouvelle game. Bonne chance à tous pour le spawn. On se réunit. C'est une fois 3, mais kill compte double. Attention, il n'y aura qu'un seul perdant. Il y a énormément de monde. C'est petit donc ils se battent tous au même endroit. Aïe 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 aïe. On avait call que c'était dangereux, les y. Très ouvert comme spawn. Yep, personnel kill. Ah, on peut encore le sauver avec un top 1. Pas perdu pour toi, Gotha. Lui était solo ici. Hein. T'étais sur un POV pour le côté. Vraiment les pires. Oh là 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 là. Le timing de cette roquette. Je vais lâcher lance-roquette avant de me tuer avec. Non, en vrai, t'as eu un timing d'empêche, il a ouvert au moment où t'as tiré. J'avoue que c'était parfait. Oh là là, Hatz qui se met super bien, 4 kills. Pour l'instant, Roby qui a fait son petit kill, du coup, il manque plus de doigts encore une fois. Et là, je vais arriver sur un. Il l'a fait à la game d'avant, les gars, il a fait son petit kill. Hein. Non, parce que là, en plus, je sens qu'ils vont survivre longtemps là, donc je sens que la note va être très dure. Mais n'hésitez pas à vous regrouper maintenant, les gars, vous êtes tous vers le sud-est, n'hésitez pas à vous regrouper, jouer en équipe, jouer ensemble. Moi, je finis de loot retail et je viens vers vous. Non, ils sont plusieurs. Oh non, dog. Il m'a chapeau. Du coup, Coco, il va y avoir direct. Non! Non! Aïe 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 aïe. Ils sont 4! Ah, c'est quoi, oui, tu peux les marquer pour. Salty, salty. Pour qu'on te venge? Okay. Plein salty, 4, un super lot. Je même pas c'est un pot qui sert à rien, quoi. Putain, non! Après, je pense quand même qu'au niveau des votes, je suis mieux que toi, j'espère. Hein, bah oui, tu dois avoir plus de votes, je pense. On a tous payé hein, pour l'instant, non? Ah, sauf Gotha, mais bon, là, il va prendre. Il a mal à la dernière balle qui voulait pas passer. Ah, mais lui, il a été bête, lui. Je sais pas trop ce qu'il faisait. Plein de mecs à côté de moi. T'es encore à ta table ? Yadz qui ne rejoint pas du tout Roby. Pas encore. Tu vas voir où est sa squad elle. Oh yé yé. Ok, c'est bon. Je suis en route, je suis à Salty. Il y a une squad sur moi. Tu dois tempo environ une minute. Une minute c'est beaucoup hein. Et j'arrive avec un lance-grenade avec légendaire. Un lance-grenade. Bah eux aussi ils sont déjà avec un lance-grenade en fait. Aïe aïe aïe. Je suis en route, je suis en route, je suis en route. Je m'arrête pas. Il y a personne sur moi en plus, c'est parfait. Oh non, c'est chiant ça. Oui. On va dire qu'on est plutôt dans la merde. T'as un pad ou quelque chose au cas où ? Non, bah non, sinon je serais déjà parti gros. Y'en a un qui t'a. La voilà, sinon je la vois sur le retour. Mais je m'en fous de ton retour. J'ai mis en fait, j'ai personne mis là un mec, mais je suis encore loin. Lavez-moi tout ça là ! Lavez-moi tout ça là ! Je préfère pas m'arrêter, ah. Merde. Ah, mais c'est ce qu'on tue de dog en plus. Dommage. Ils sont venus directement sur toi. Ouais, ils étaient forts. Non, ils sont bon, pas. Bah, on aime bien les cold ads. Ils tirent dessus, non? Bah, je suis toujours en route, Roby, je me suis pas arrêté. Ah, ce qui se rapproche. Allez. On va venger Roby avec son arme. Et allez, déjà un au sol. Ah, c'était manqué. Ça rajoute 3 euros, ça, pour l'un d'entre vous sur le chat. Qui avait pré-shot que Gotaga n'allait pas performer sur cette game là. Ouais, c'est pas bon, il va les clutch. Oh là là, le deuxième kill de Hatz. Monstrueux avec une belle roquette là qui va être très embêtante pour l'adversaire. Ça offre de la vision. Petite tête qui fait plaisir. Il y en a un contact quand même à gérer. Je préfère construire en vrai. Si meurt maintenant, ça me va aussi en vrai. Ouais, mmh. Bah attends, il faut encore en valider 2-3 là. Oh non, ça va pas tirer. Non. Il l'a fait exprès, tu sais. On mettrait pas un peu de chill, ouais, voilà. Oh. Ah oui, quand même. Ça passe pas. Quoi? Il m'a eu en l'air, ouais. Donc au final, il vous a tué tous les trois, lui. Ah, j'ai pris trop cher au début. C'est peut-être pas fini. Ils se font push, donc il y a deux kills qui peuvent se valider. Moi, j'ai déjà quitté la game. Ouais, ouais, bah t'inquiète pas, pas moi. J'attends qu'il meure. Non, non, il a déjà raise. Regarde, tu fais équipier suivant et ils sont plus à terre. Ah, ils sont déjà tous en vie? Ouais. Ah, il a bien tempo. Ouais, ils ont 20 HP, 30 HP, ouais. Aïe, 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 aïe. 8 x 3 pour Gotha qui s'en sort plutôt bien. Ça va, ton petit monde cut, c'est tranquille pour cette dernière. Il ne reste plus qu'à tirer au sort, savoir qui va l'emporter. Vous qui êtes chez vous, le tiré au sort est Mugwen. Et c'est déjà validé, on me dit dans l'oreillette. Donc c'est Mugwen, tranquille. On s'essoule. Bon, du coup, Master Kill, un peu différent d'habitude, parce que c'est vrai qu'au début on était très très ensemble. Mais c'est vrai que sur la fin, l'idée de Gotha était pas mal de se séparer. Ça a donné lieu à des actions. En vrai, non, je te le dis, on n'aurait pas perdu si on. La même Hatz avait oh, je vous rejoins après, il est parti très loin. Donc elle ne voulait pas être avec Roby. Genre il voulait bien me faire hack, quel salaud. On va du coup clore tout simplement pour ce Master Kill le chapitre.